Bon, salut tout le monde. Bon, ben, j'ai fini ma nuit. Là, on est dimanche matin, là, et on est le 2 juillet. Et puis, hier, il y a un magnifique soleil. Aujourd'hui, il pleut, là. Donc, là, j'ai redémarré. Là, il me reste pas grand chose. Hein. Il me reste 6h15. Manure, je vais pas oublier les 6h15. On parlera tout à l'heure des heures de récap. À tout à l'heure. Bon, salut tout le monde. Enfin, salut, re-salut. Donc là, je me suis arrêté là étant donné que j'ai plus d'heures de cycle. Donc je suis à 2h30 de Montréal. Alors là, je me suis arrêté sur un grand parking là, mais bon, on est dimanche. Hein. Dimanche 2 juillet, puis je suis allé manger là-bas parce qu'il y avait un Burger King. Et puis, quoi qu'on en dise, moi j'aime bien Burger King. Hein. Donc, moi je suis garé ici. Puis, normalement c'est un immense parking. Hein. C'est pas normalement, c'est un immense parking, mais il est vide. On est 4 camions. Derrière, je vois, il y a une caravane. Lui, il s'en va là. Donc, il y a des petites mouettes là qui vont venir se promener. Voilà. Donc moi j'ai resté ici jusqu'à demain matin parce que j'ai fini mes heures de cycle. Donc là je vais remonter dans le camion puis je vais vous expliquer un peu les fameuses heures de cycle là. A tout de suite. Alors là je vais vous expliquer un peu, je vais essayer du mieux que je peux parce que pour les heures de récap comme on dit là. Parce que nous quand on démarre une semaine en fait, on a
On démarre avec un quota de 70 heures à faire dans notre semaine sur 7 jours. Et puis arrive par moment que, comme au LOL, ce qui m'arrive là, c'est que je suis arrivé au bout de mes 70 heures. Par contre, je suis encore à 2h30 de Joliette. Donc là, je suis obligé de m'arrêter, quoi. Là, c'est même pas une question d'histoire, les heures de conduite, les heures de ce qu'on veut, c'est les heures de la semaine qu'on a le droit de faire dans notre semaine, quoi. Et il y a deux possibilités quand c'est ça. C'est soit on fait un 36 heures. Donc ça m'arrive, admettons, quand je vais livrer sur la côte ouest. Bon, j'utilise déjà, quand je vais sur la côte ouest, hein, j'utilise à peu près presque 50 heures. Et donc sur 70 heures, et sur 70 heures, pour le faire le chemin du retour, il reste 20 heures, donc j'arrive pas. Donc je roule le maximum. Puis après, je m'arrête et là, je fais un 36 heures. Mais quand on est proche comme ça, là, on a une possibilité comme là, c'est soit je fais un 36 heures et je récupère 70 heures. Ça veut dire que je peux. Là, je me suis arrêté, il devait être 14 heures ou à peu près. Bon, ça veut dire que je pourrais redémarrer, on est dimanche, je pourrais redémarrer le mardi à 2 heures du matin, 36 heures de coupure. Ou on a la possibilité d'utiliser, comme on dit, nous, les heures de récap. Alors les heures de récap, c'est un système. Je vais vous montrer. Donc là, si on regarde, là, il me dit que ça fait déjà 1h11 que je suis en repos. Donc 1h11, ça veut dire j'ai dû m'arrêter vers 13h et des poussières, quoi. Il me restait 46 minutes de temps de conduite, mais en fait, c'est pas vrai. C'est que lui, normalement, quand j'ai démarré ce matin, j'étais avant Toronto. J'avais un quota de 13 heures à rouler, mais mes heures de cycle pour finir ma semaine, quand j'ai démarré ce matin de Toronto, il me restait 6h30. Donc mes heures de conduite, lui, il peut pas me dire qu'il me reste 13 heures de conduite. Et donc là, cycle restant, comme on voit, il me dit 46 minutes. 46 minutes, quand on s'arrête, si on veut utiliser les heures de récap, il faut absolument que dans les heures de cycle, il nous reste des heures. Il nous reste des heures ou des minutes. Là, il n'aurait pas fallu que je sois à 0 minute parce que c'est mort. J'aurais dû faire un 36 heures. Là, il me reste 46 minutes. Alors là, je peux voir combien je vais récupérer d'heures demain. Donc là, je vais afficher le récapitulatif du cycle. Donc je l'affiche. Voilà. Donc lundi, j'ai fait 11h54. Mardi, 11h28, etc., quoi. Donc lui, l'appareil, il me dit par contre demain, les heures de récap, il me redonne, j'ai encore 46 minutes. Plus 11h54. Donc lui, demain, il va me dire, vous avez bon à 12h40. Donc là, je vais pouvoir user les 12h40 là, pour rentrer chez moi. C'est comme ça que ça fonctionne, les heures de cycle. Voilà. Et puis, c'est pratique parce que ça nous aide quand même à finir le trajet au lieu d'être bloqué sur un parking pendant 36 heures aussi près de la maison, quoi. Moi, je me souviens en France, des fois, on n'avait plus d'heures. On n'avait pas le choix, il fallait s'arrêter sur un parking et faire minimum 45 heures de coupure pour pouvoir redémarrer, quoi. Donc ce système-là, je trouve que c'est plutôt pas mal, moi, parce que ça nous permet de pouvoir rentrer. Donc là, demain matin, je vais redémarrer là, vers 6h du matin, 6h30, parce que je me lève à 6h. Puis je vais repartir tranquillement, finir le trajet. Bon, j'espère que c'est à peu près clair, là. Et puis, en tout cas, si vous n'avez pas compris, vous poserez quelques questions. J'essaierai de vous répondre au mieux, quoi. Allez, salut! Bon, voilà, j'ai fini ma coupure. On est lundi matin, là, le 3 janvier, 3 juillet. Puis, comme prévu, là, j'ai récupéré mes heures. Bon, alors, sur la vidéo d'avant, vous avez pu voir que là, au niveau du cycle, il me restait 46 minutes. Donc, ce matin, il m'avait redonné 12h40. Bon là, il faut déduire les 15 minutes de ronde de sécurité. Et puis, voilà, du coup. Alors, du coup, en théorie, normalement, en temps normal, ici, il m'aurait affiché 13 heures. Mais étant donné qu'il me reste que 12h24 de cycle, lui, il me dit aujourd'hui presque 12h24, donc à deux conduites, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je vais redémarrer. Et puis, il me reste 2h30. Enfin, c'est 2h30 en théorie, hein, parce que j'ai encore Montréal à traverser. Donc, je sais très bien que cette heure-là, je vais arriver, il y aura des bouchons.
C'est un peu comme en France, hein, toutes les grandes villes, toutes les grandes villes aux heures de pointe, on a beau faire ce qu'on veut, il y a des bouchons. Voilà. Donc ben c'est reparti. Alors bon, le temps n'est pas génial, quoi, il fait gris. Je suis arrivé hier et il faisait un magnifique soleil. Après dans l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Alors tant mieux, ben, ça a nettoyé le pare-brise. Mais enfin, ça a tout détraqué, quoi, maintenant, il fait gris. Bon ben. Heureusement, la météo, c'est une seule chose que l'homme, on n'a pas le pouvoir de régler ça, parce que je pense qu'on le ferait encore. On aurait que des étés. Voilà, bah, allez, c'est reparti. Thank you.
Bon, bah voilà, c'est la fin du trajet. Hein. Donc, comme vous l'avez vu, là, je suis arrivé sur mon parking. Et puis, bon, là, le parking, c'est comme d'hab, hein. Il coupe solo. Ma voiture, elle a le coffre ouvert, elle attend que j'aille mettre ma valise dedans. Et puis, ben, comme vous allez voir sur la vidéo, là, je vais vous faire une petite vidéo là jusqu'à la maison. Ça, vous verrez après en voiture le parcours que je fais jusqu'à la maison, quoi. Vous verrez un petit peu mon quartier. Voilà, bah salut, et puis bah à la prochaine vidéo, bye bye. Alors le panneau là que j'ai filmé là juste avant là vite fait là, quand ce panneau là il clignote, ça veut dire qu'on arrive à un carrefour où il y a un feu tricolore et que le feu va bientôt passer rouge, donc ça sert à rien d'accélérer ou quoi. Au contraire, on peut déjà commencer à ralentir parce qu'il nous prévient que le feu va passer rouge. Et c'est vraiment pratique ça.